Bonjour à tous, c'est Starkiller en 1989. On se retrouve enfin les potes pour l'épisode 26, deuxième partie. Donc je l'ai nommé l'épisode 26, partie 2 et la fin d'aujourd'hui. Hein, donc la fin de l'épisode 26, partie 2. Voilà, je pense que je vais le couper en deux épisodes. Donc il faut savoir qu'il y aura la première partie que j'ai diffusée cet après-midi, hein, donc en début d'après-midi, l'épisode 26 tout court. Toujours... En honneur à Van, hein, donc à notre ami Nathan qui fête ses 14 ou 15 ans, je ne sais plus. Il les a fêtés lundi, mais je fais ce stream pour lui, les amis. Il le mérite. C'est vraiment une personne exceptionnelle que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment cool. N'hésitez pas à lui souhaiter bon anniversaire quand il arrivera sur le stream. Frérot, si tu vois encore une fois la rediffusion ou si tu n'es pas là maintenant, sache que j'ai une pensée pour toi. Encore un bon et gros anniversaire de ma part. C'est parti, on va faire le défi, hein, donc la surprise que je t'ai lancée. Donc, personnellement, j'ai pas mettre de quête. On va tout simplement se rendre dans la partie sud de la ville, donc de la ville de la carte, hein, pardon, surtout au sud-ouest. Donc je pense qu'on va à la Somerville Place et on va commencer à de là faire quelque chose de bien. Donc faut savoir que c'est un épisode 26, mes délires. Hey, ça va frérot? À l'aise et toi? Bah, je viens de te parler là, enfin je viens de faire un petit monologue. En ton honneur, pardon. En ta mémoire, pourquoi je dis ça? Donc voilà, c'est parti, hein. Je te l'ai promis, on va faire le défi que... What the fuck? On se calme là, les gars. Je sais bien que je suis en armure, ça y est, oui. Écoutez, vous êtes emballés. Des tyrans, il y en aura toujours. Vous avez C'est juste à retrouver parti. les Par ennemis contre, ou... où il est, comment dire? XD. Tu sais bien, hein. Il est où, comment dire, je ne sais plus comment il s'appelle, Hancock. Ah, oh, il a encore disparu ce con. C'est incroyable, hein. Ah, les compagnons dans le jeu, je vous jure, hein. Un jour ils sont là, et quand on a besoin d'eux, ils sont jamais là, et quand on n'a jamais besoin d'eux, ils sont toujours là. C'est comme dans la vraie vie, en fait. C'est quasi la même chose. Ah, ah. Voilà, ok, pas ça. J'ai vu un type passer là devant, c'était chelou. Bon, soit. En même temps, on va faire la quête là parce que ça mène vers le sud, donc c'est parfait. On va plutôt stepper à Ferragen, hein, donc on avait fait une mission principale ici. D'ici, je tiens à préciser que ben, je vais tracer comme ceci, hein, on va aller par là. On fera la quête par après, mais personnellement, la base, c'est de tuer du mob, comme toujours. Voilà. Donc, faut savoir que je vais faire une petite save rapide avant, parce que je suis pas sûr que je vais sauvegarder avec toutes les munitions que je vais sûrement utiliser. Je suis pas sûr. Maintenant, peut-être, hein, parce que bon, il va sûrement avoir beaucoup de mobs. Faut savoir que cette zone-là, elle est assez grande au niveau du sud-ouest, et c'est rempli de mobs. C'est super dangereux, les gars. Enfin, vous allez voir. Bref, j'ai peut-être pas m'en sortir, hein, parce que bon, ici, je suis passé, ben, j'ai passé niveau 30. Il y a beaucoup de chances que je passe niveau 30, même peut-être plus. Hein, ça dépend les mobs qu'on trouve. Ah, le voilà, le poteau! Putain, t'étais passé où encore, hein? Hein? Je t'ai cherché partout. T'étais pas sur ton putain de navire, hein? On avait pris la mer ensemble. Et du coup, voilà, je t'ai paumé. Je sais pas, t'as sauté à l'eau. Tu t'es fait manger par le Kraken à la Jack Sparrow, hein? C'est ça? Putain. De quoi vous avez besoin? Ok, bon, les gars, c'est pas grave, je craque, c'est normal. Bon, c'est parti. Donc, voilà, d'ici, on va partir là-bas, mais on va plus aller comme ceci, hein, donc on va longer. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien. C'est pour toi, Van, encore une fois, Nathan, c'est pour toi, je fais ça. Voilà, donc bonjour à tout le monde. On est parti, les gars. Ça va chier du mob. Ou je vais chier, ça dépend. Ah, ben il y a déjà des mobs. Parfait, parfait. C'est super. Ah, j'allais dire. Oh. What the fuck? Vous avez vu le bug? J'avais pas de chargeur ni de canon. Je voyais même pas mon flingue, limite. Il est où le cadavre? Ah, il est là. La clinique hématologique. À l'aise, gros. Tout à fait. Tout à fait, chérie.
Bon, on explore en même temps, je vais pas vous cacher. Donc c'est parti. Oh là là là, j'ai hâte d'avoir la zone. Hein. Perso, j'ai déjà été une fois dans ma première partie. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pu être. Donc personnellement, j'ai été qu'une seule fois. Donc voilà, on va y aller hein, tranquillement, poser idon, voilà. Hein. Quand je vois qu'il y a une zone ici, je sais pas m'empêcher de visiter les gars personnellement. En plus, il y a un char. Oh, à l'aise. Ben, il y avait une armure à part. Oula. Bouge plus, bitch. Tiens, crève. À la demain. Merci. C'est une armure quoi? Une T60B. Putain, les gars, trop stylé. On la prendra plus tard. Hein. On sait qu'elle est là. On va pas. À l'aise. En fait, je sais même pas pourquoi je tire parce que je peux leur donner un coup et je les vois dire. Oh, frère, t'as fait quoi? C'est un malade le type, il jette des grenades ainsi, mais t'es un fou, frère. Et gros, moi je te prends plus. C'est la dernière fois que je te prends en mission. Il est pas bon le type. Je sais pas, gros, il te faut des lunettes. Le type, il me balance des grenades, il balance des grenades sur des cafards. Allez, 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 allez. Vive la comédie. C'est de l'eau ça. Ah ouais. Terrible. On va mettre en vue un petit peu. C'est trop stylé cette armure en fait. Il n'y a plus de respect, c'est total guerrier, total recall. Non, je rigole, ça n'a rien à voir. Donc j'espère que vous allez bien les frérots. Moi en tout cas, j'avais hâte de publier ce contenu. Oula. Cholette! Cholette! Lolette! Bleu. Je sais pas c'est quoi frère, ça a l'air d'être une bombe nucléaire mon gars ça. Genre tu tires dedans comme on le voit ici il explose. Oh non! À l'aise! Je suis trop fort moi, je suis trop fort moi. Oh, je suis trop fort, la vie. Oh punaise! Bon, c'est bien, on croit que du mob, les gars, parfait. Écoutez, on s'en plaint pas. Oh là, tu m'as saoulé, merci. Allez! What the fuck? Bon, bah écoutez, Michael Bay ici, hein. On s'en plaint pas. Boum, le one shot. Eh gros, tu vas faire quoi? S'il te plaît, quoi. Putain, mais ce flingue, les gars! C'est trop western! Fusil de combat, radiation! Oh, bah en plus, c'est parfait! 88! Inflige 50 points de radiation supplémentaire! Allez, 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 allez! Ok, élève! 88 de dégâts, 50 de. Ouais, ok. 417 munitions, j'ai. Putain, mais les gars, franchement, je pense que je suis au calme pendant un certain temps. C'est parfait, par contre, là, les explosions, c'était trop monstrueux! C'était cool, je veux plus de spectacles comme ça, moi. Allez. J'espère qu'on va encore croiser du mob, hein. Pourquoi pas, réservoir. Ben, Poséidon, en parlant de Poséidon, les gars, ben voilà. Je parlais de Poséidon juste avant. Nickel Chrome, hein. Ah, ah. Ah, toujours et encore des ghouls. Parfait. J'adore parce que le type, il tient le flingue à une main. Il a même plus de respect, les frérots, c'est. Trop cool ce jeu. Trop 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 démentiel. Il est quand même beau hein. Faut pas franchement je ne le cache pas. Il est magnifique. Gros, passe-moi ton Fatman, tu me saoules. Bah, Hancock, viens ici, putain. Mais gros, ça y est, tu fais le dingue. Au calme, pas de soucis. Je parie que. Les gars, je suis sûr, hein, quasi sûr. Je suis quasi sûr que j'ai pas de munitions. Et qui avait raison? C'est papa. Putain. Je vais devoir aller rechercher les munitions et tout. Et quoi, le lance-missile? J'ai des munitions, quoi. Ah, 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 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, bah écoutez, moi je propose
What? Oh my god! Les gars, là, je propose qu'on le descende très 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 vite, parce que sinon il va nous faire chier. Perso, j'ai vraiment envie de m'en mêler en fait, hein, c'est pas ça, mais. À l'aide! Je suis trop fort! Je les pète tous, moi! Je suis un dieu! Hey, je crois bien que j'ai un truc. Et quoi, ils sont bigleux? J'aurais dû filer. Oh! Oh my god! Bon, personnellement, je pense qu'on va aller chercher. On va jouer un petit peu à la sulfate. Hein. Mais gros, ce jeu! Tiens, mange! Grosse erreur, en tout cas. Putain, mais. À l'aise! Et c'est un fou, lui, il fait le dingue! Ça y est, il est content. Oh, je l'ai mis en PLS, les gars, je pense. Réacteur à fusion retrait. Putain les gars, c'est des pierres vétérans et tout, je sais pas trop mais. Ah voilà quoi. Bon moi je propose qu'on se barre. Parce que j'ai plus d'énergie. Putain, mais cette arme. Boum! Explosion! Explosion, explosion. Bonjour à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Alors. Hein, à l'aise. À l'aise. Et tout ça pourquoi, les gars? Bah, toujours pour de la merde. Personnellement, voilà. Sortez de. Oh, il a l'air d'avoir une putain de carabine, lui. Wow! Wow! Ça, je prends. Ça, non. Oh, punaise. Ça, je prends. Ah ouais, ils ont des beaux trucs quand même, les gars, faut avouer. Bah où? Oh, wow, wow, wow! Ah, c'est lui qui a le lance-missile. Ouais, mais je le prends pas parce que c'est un basique en plus. J'aurais cru que ça allait quand même être un meilleur truc. Ah ouais, ça a l'air d'être une belle base ici. Hein. Et encore une armure. Une mini nuque. Yeah. Et les gars, comment ça se fait? Ils me disent que je peux la voler. What the fuck? Je comprends pas le délire là. Je ne comprends pas le délire. Bon, je m'en excuse, j'ai un petit peu mal joué, on va aller rechercher vite fait à Sanctuary, ben, tout ce qui est munitions, Fat Man, etc. J'ai le motel Roadside Pines, what the fuck. Donc voilà, on y va. Hop. Salut frérot. Wesh wesh. Ça va? Re, encore une fois. En plus je suis passé niveau 30, c'est classe. On va faire un petit peu plus, mais vraiment léger, hein, mais très très léger, un poil de mouche de dégâts. Vous n'avez pas le temps d'attendre et vous voulez accélérer le temps, utilisez n'importe quel meuble d'appartement. Ok, on s'en bat les couilles. Merci, allez. Bon, les gars. Alors, où elles sont ces munitions? Qu'on rigole un peu, par contre, il faut vraiment que j'aille chercher l'armure clou. Il va falloir que je vous propose prochainement des nouveaux tutos aussi, les gars. J'ai trop hâte. Mais vraiment. Oh, genre les gars quand même, 54 Molotov au calme. Ouais ouais ouais. Grenade cryogénique 6, ça se bof. 47 grenades fragmentation. Oui. Mais oui. Mais oui, toujours plus. 54 mineurs. Ah, tu veux que je t'appelle Théo frérot? Bah tu vois sur un stream c'est. Ouais, pourquoi pas.
C'est vrai, t'as raison. Missile 1. Comment ça, je sais que j'en ai qu'un? C'est quoi le délire? Hop, Starboy, non, prends pas. Par contre, j'ai bien envie d'essayer quelques grenades, les gars. Bonjour à toutes les personnes qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y go! L'arme cryogénique. Ouais, je dois l'avoir, frérot, hein. Je l'ai normalement. Ouais, moi aussi, je l'ai, mais je vais te la montrer vite fait. Mais oh, les grenades rondes, les gars là, les grenades là, les gars. Si je vois c'est lesquelles, elles font super mal. On va les prendre, j'ai envie de les tester. C'est des putains de bombes nucléaires, ces trucs-là. Regardez, hein, mais franchement, hein, je vais vous montrer. Maintenant, je me trompe peut-être. Je sais pas si c'est vraiment celle-là. Voilà, regarde. Le Cryolator. Vous voulez qu'on le prenne, les gars? Allez, on va rigoler un peu. Pendant qu'on est là, on va prendre quelques petites armes là. Lance-flammes, mitraillette. J'ai envie de prendre un minigun. On va se la jouer. Arnold Schwarzenegger. Ah, à l'aise, hein, comme d'hab. Hein, vous savez quoi? Vous savez, c'est quoi les bails? Bon. Et moi en plus, j'ai pas lancé mon chrono. C'est super. Je sais pas depuis combien de temps on est en stream. Ouais, elles sont où les. À l'aise. Et je sais comment on l'a. Et j'ai encore ton icône Messenger. Moi je l'ai cette arme. Bah t'inquiète frérot, de toute façon après si. Il y aura sûrement encore du live. Et mais attendez, il y a un bug, non? Comment ça se fait que j'ai pas les miniguns? D'habitude je les mets ici les miniguns, on est d'accord, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est d'accord, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Le type qui sait plus quoi. Je les ai peut-être mis ici. C'est quoi ce délire? Hein? On m'explique. What? Pourquoi il part en courant lui? C'était un fou, gros, tu fais quoi? Bon bah écoutez, apparemment j'ai pas de miniguns. Je suis dégoûté. À l'aise! Putain, mais les gens, je sais pas comment ils font, mais ils sont vraiment trop forts dans la vie. Hein. Franchement, ils sont vraiment trop. Ouais, mais non, mais là tu m'as gonflé. Je t'ai pas parlé déjà, alors qu'est-ce que tu fais? Franchement, là, je sais pas comment elle a fait la vie. Faut m'expliquer. Moi ça me fait rire parce que c'est un bug, je sais pas, il est pas corrigé. Je sais peut-être où il est. Arme, non, mais non. Bon écoutez, tant pis, on va la jouer comme ça. Je pense qu'on est plutôt bien. On va se re-TP, hop. Parce que le temps avance très 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 vite, donc on va se TP là et on va vers le sud les gars, ça va être monstrueux. Je suis content, j'ai 2000 or sur Elder Scroll. Bah je te l'avais dit hein, frérot, ça va quand même assez vite, hein. Genre tu fais ça en un jour, il y a moyen d'avoir 1000, 2000 au calme, tu vois. Enfin, en un jour, en quoi 2-3 heures de temps, tu vois. Comment t'as les trucs pour faire fonctionner ton arme? Ah, les réacteurs à fusion, il faut que t'en trouves dans des générateurs. Comme, tu sais, au tout début du jeu, là, quand t'as été chercher les réacteurs à fusion, tu vas devoir toujours les récupérer comme ça, en fait, les prendre sur les générateurs. Je sais pas si tu vois, à un moment, il faut crocheter une porte au sol. Et les gars, franchement, s'ils ont reset, je rigole. Sinon, c'est bon, il y a encore les cadavres là. Bon, c'est parti. On va vers le sud. On va faire péter tout le monde. Oui, il y a une ville ici. C'est intéressant. Mais les gars, franchement, ce pistolet. Oh, je suis amoureux de ce pistolet, mais c'est un truc de malade. Natic Bank? Écoutez, je connais pas. Personnellement, ça ne me dit rien qui va et tout ça. Wow, ça a l'air d'être une putain de ville. Ah, des mutants! Oh, un exécuteur super mutant légendaire. Oui, il est là. À l'aise, je suis trop fort. On est d'accord, hein? Franchement, je suis le meilleur. Hein. Celui qui dit que je suis pas le meilleur, je le défends. Bon les gars, on va quand même le tuer de toute façon. Hein. L'arme, c'est monstrueux. Hein. Elle fait des dégâts de malade. Et en plus, elle est pas au max. Hein. Et 43 d'XP dans la banque. Et on lui a niqué sa mère. Non, c'est méchant à dire. C'est pas vrai. Alors là,
Théo, là, tu as baissé dans mon estime, mais un truc de malade. Non, je rigole. Gros, fallait pas me dire ça. Dans 2 secondes, genre, non, laisse-moi 10 minutes. J'arrête mon stream parce que j'ai vraiment envie de streamer. Après, j'arrive, je prends l'auto, même l'avion, je viens chez toi direct. Je m'en fous là. Non. Bon, allez. Réduit de 50% les dégâts dus aux chutes. Ok, de la merde, comme toujours. Non, de toute façon. En plus, tu dis ça, mais. Je dis ça, mais c'est vrai. Il y a toujours meilleur que toi dans la vie. Mais s'il y a des mines. Allez, prends-la, putain. Merci. C'est vraiment des enfoirés, les mutants, hein. Ils mettent des mines partout. Ces petits coquins. Ah là là. Maison. On va rentrer dedans. Bon, franchement, Van, là, Nathan, il faut que je m'adapte à votre prénom, c'est un truc de malade. Oui, il y a un terminal, mais personne, on le fait pas maintenant. Tu vois vraiment que je fais durer le plaisir, hein. Tu vas voir, en fait, j'ai vraiment envie que ça soit suspense, les gars, j'ai vraiment envie de vous montrer ça, parce que la zone là, c'est un truc de taré, c'est limite. Franchement, vous allez me voir dedans, vous allez dire, gros, va-t'en, c'est chaud, quoi. C'est bien par là? Non, c'est par là. Vous allez halluciner, c'est quoi comme zone? Oh maman! Les gars, franchement, j'ai cru pendant 2 secondes c'était un T-Rex. Je vous jure que j'ai cru que c'était un T-Rex, mais je me dis c'est pas possible, les gars, il n'y a pas de T-Rex dans Fallout 4. Je me dis c'est quoi ça? Bon, les gars, perso, moi j'ai trop chaud, on va se le faire! Moi, sur un mutant légendaire, j'ai eu un flingue avec saignement bizarre qui enlève grave la vie. Ouais, c'est... C'est la vie. Bon, perso, on va ranger quelques armes. Alors, voilà, prends le... Oui. Attends, ce que je vais faire, c'est... On va essayer de faire ça, donc je peux lui équiper. Oh, putain. Allez, frère, fais jamais ça avec moi. Hein. Gros, t'as malade, le type il braque un missile à 4 entrées sur ma gueule, le type au calme, il voulait me défoncer, nice. Allez, on va un petit peu rigoler. Par contre, il faudrait quand même que j'aille chercher. Il est parti où ce con? Eh les gars, je veux bien, il est parti où? Eh hey, Rex! T'es où? Pas là! T'es où? Oh! C'était quoi? Ouais, c'est un fou, gros, t'as vu? Oh! Gros, il fait trop peur, le type. Il fait des tremblements du turfu, on sait pas où il est. Mais... Oh! Gros! Mon chat! Mange! Allez! Non! Casse-toi! Gros, là, les gars, là, on a mal joué. Mais c'est un malade! Eh, on est d'accord, les gars, ça. Il veut quoi? Et lui, il est déjà dans le turfu. Oh! Ah, il va faire trop mal. Mais les gars, même au flingue, je le pète. Mais je suis bloqué, hein. Tu vas faire quoi, gros? Casse-toi. Oh, fils, il met des putains d'esquives, hein. Mais boum! Oh, la headshot que je lui ai mis. Les gars, comment il s'est retourné, le mob? Alors là... Non, mais non, gros... Alors lui, gros, il a pris cher, hein. Mais rien qu'au... Et les gars, non, mais franchement, là, il faut vraiment qu'il mette une autre difficulté parce que c'était trop facile. Au flingue, perso, je comptais démolir au Fatman, hein. Limite, il n'y avait plus de respect, les gars. Hein. On est d'accord. Bon, mais sinon, il est mal. Bon, mais voilà, vous avez déjà un petit avant-goût de ce que réserve cette zone-ci. On va reprendre sa vie un petit peu parce que là, je pense qu'on a pris cher quand même un petit peu. Désolé pour ce mauvais gameplay, hein. Comme toujours. Bah, les gars, comment il s'est retourné? Je lui ai mis une balle en mode, tu sais, comme dans les films. Donc...
Aïe. C'est dommage qu'il a pas décapité, mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. Nous approchons de la zone ultime. Préparez-vous à vivre le calvaire de votre vie. Bienvenue dans la mer luminescente. C'est parti les gars. En fait, il faut savoir que la mer luminescente, donc cette partie de la zone, en fait, c'est là où le missile a frappé. Et voilà. Les gars, là, Fatman égale homme prout. Tu sais bien, hein, je suis un homme prout. Non, je rigole. Bon, ben c'est parti. On s'aventure dans un putain d'environnement hostile. Je sais même pas où je suis, les gars. J'ai une petite save, au cas où. Parce que perso, je pense que... Voilà, c'est la fin pour Starkiller. C'est parti. Putain, les gars, c'était trop épique. Avouez, c'était trop épique, le saut, là. C'est comme dans les films, vraiment. Le type, il arrive en armure, il fait des trucs trop épiques, trop stylés, mais perso, moi, bon, ce qui me manque, c'est des trucs trop stylés, mais... Bon, c'est parti, on va explorer un petit peu. T'as vu cette zone, gros? Dans la mer noire. Bah, écoute, c'est vrai qu'elle est pas si... si claire que ça, elle est plus noire que claire. Bon, les gars, et franchement, je suis à peine arrivé, il y a déjà un Darion, il y a un rat de cafard, il y a une bouche bouffie, il y a toi, il y a... De fou. Tu te souviens si je t'avais dit mon âge? Non, tu m'as pas dit ton âge, frérot. Je sais pas, aucune idée. Oh! Allez, c'est parti. Oh, les mouches-lèches sont chaudes en plus. Gros, casse-toi. Allez, il est trop fort le type. À bout portant, il arrive à arrêter une balle. Allez, gros. Tu m'expliques? Merci. Tu fais quoi? Le voit. Ben, il est plus là. Je l'ai one shot. Y a plus de respect, viande de Darion. Bon, les gars, perso, là, c'est la chasse aux mobs. Ce jeu, mais qu'est-ce qu'il est bien. Ok, merci. Epic fail. Oh, le corps, il a disparu. What the fuck? Ah, parce qu'on a 6 ans d'écart. J'ai 13 ans. Mais gros, tu m'as jamais dit que t'avais 13 ans. Tu m'as toujours dit que t'avais 16 ans, frère. Tu m'as dit que t'avais 16 ans, hein. Je te jure que oui. Hein? Hey, salut Sissou, ça va et toi? Comment tu vas? Désolé de pas l'avoir dit avant, mais gros, tu me l'as dit, on est deux. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah ben... Mais non, gros, tu vas. C'est un enfoiré. Je suis sûr qu'il me tend une blague là, il me tend un piège et tout. Il me dit, hey, le TV vient me dire qu'il a 16 ans et tout. Après, il fait non, non, gros, gros, t'as fumé, en fait, je suis pas le même type, moi, hein. Je suis un autre joueur, j'ai 13 ans, hein. L'Oméga que tu connais, c'est pas l'Oméga que tu connais, hein. Mais gros, je te dis la vérité. Non, mais allez, sérieux, en fait, t'as vraiment. Oh, c'est quoi? Ouah, une mère de Couverato légendaire. Bon, ben, les gars, je pense que. Elle est pas bien. Je voulais pas qu'elle soit là, en fait, du coup, voilà, hein. Merci d'être là, c'était cool. J'ai passé une bonne compagnie avec toi. Pff. En plein dans son cul. Oh, mais c'est tellement... Non, mais là, tu la vois plus, gros. Là, c'est fini. Laisse tomber. Tu vois ça, gros, t'es trop fort. Si tu la vois malgré l'explosion... Non, je veux juste pas passer un kikou, je suis vraiment désolé. T'es sérieux, gros? Non, allez, vraiment, Théo. C'est vraiment ça? Bah gros, perso, même, hein, t'as pas un kikou, qu'est-ce que tu racontes? Anti-goût de fusil de combat. Allez, c'est parti pour le loot, les gars. Dégâts accrus contre les ghouls. Oh putain, ça c'est bien, ça. 88, Fujitsu 417, 20. J'espère que ça te plaît, Nathan, hein. J'espère que tu apprécies le gameplay. Voilà, donc... c'est vraiment rempli de mobs ici, hein, les gars, c'est un truc de malade. C'est tout. Il fait malin lui, gros, il m'a donné un coup de Darion. un coup de Darion. Il m'a donné un coup. Ah ouais.
Boom bitch, 53 d'XP, mais je comprends comment on fait pour XP dans le jeu en fait. On aurait dû venir là depuis longtemps. Bouh, putain les gars, je les tue à 36 mètres de loin, de long. De distance, pardon. Oh, il fait mal lui. Ils font très mal en fait, je crois. C'est pas des blagues. Ils sont pas résistants, mais ils font mal, les Darion fonceurs. Oh les gars, franchement, cette zone-là, c'est une tuerie. Putain, mec, je suis content. Tu as pas chanté mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Nathan. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Nathan. Fallait pas me le dire, gros. Joyeux anniversaire. What the fuck? What? What? Oh les gars là, franchement je vous cache pas que j'ai un peu la... J'ai peur gros. J'ai peur. Prends ça. Écoute, voilà, merci. Oh. What? What? Et les gars, les mobs là, moi je les aime pas, ils foutent les boules à mort ceux-là. Gros, tu veux crever, non? Lui il m'a saoulé. Boum, bitch, dis bonjour à maman de ma part, en enfer. Oh les gars. Il veut quoi? Moi je te pète au silencieux. Ouais, balle entre les yeux. Eh, alors, Hancock, on en PLS, hein? Hein? On en PLS? Ouais, fais pas genre, le type il se relève, c'est comme s'il avait rien. Mais oui, gros. Avoue que t'as pris une bombe nuque dans ta gueule. Avoue que tu l'as pris, avoue que tu t'as pris cher. Faut assumer dans la vie, les gars. Cher. Oh, mais les gars, je me régale. Oh, un raid cafard légendaire infirme. Là, une canne? What? T'es sérieux, gros? Moi, j'aime battre avec ça. Et les types, ils ont été trop loin dans le jeu, là. Non, mais franchement, gros, c'est quoi ces blagues? Le type, il va se battre avec une canne, quoi. Toi, ça doit être terrible. Je vois déjà les trucs, tu sais. Tiens, dans ta jambe! Le type, il lui fait une prise en mode Mary Poppins, gros. Ah ouais, des cannes dans le jeu. Perso, c'est la première fois que je vois ça. Hein. On est d'accord? What the fuck? Bah ouais, gros, c'est quoi ce jeu? C'est du délire, en fait. Ils étaient pas bien, les créateurs, qui ont dit... Putain, les gars, je pensais que c'était un mob. Oh, j'ai eu peur. De fou. Tu m'en veux pas pour mon âge? Gros, si je t'en veux, franchement je te parle plus gros. Et toi, gros, t'es 8000$, t'es 8000 or à Elder Scrolls, tu peux les faire tout seul hein, gros, vraiment. Là tu m'as... Non mais gros, c'est... Non, plus la... Mais vraiment, c'est plus la... Non, c'est plus la peine. Voilà. Mais gros, t'as cru franchement que j'allais plus te parler pour un âge? T'es sérieux toi? C'est mort. Allez, encore des scorpions. Bon, ils m'ont saoulé, hein. On va jouer vraiment au Fat Man. Je suis motivé, les gars. J'en ai là la casquette. 26%. Allez. Gros, comment le type il prend la nuque. Allez, tiens, hop. C'est parti. Relève le fusil. Et gros, t'as pas tiré en... Oh yeah. Les gars, comment elle est partie en mode trop stylé. C'était trop épique. Aïe 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 aïe. Coup critique dans ta pince droite. Putain, ils ont des pinces de malade, ces types. Wow. Et il est en PLS, les gars. Mais non, je veux pas prendre ça. Putain, m'a saoulé.
Oh les gars, mon armure elle commence à avoir mal là. Là, je vous cache pas que... Putain, il y a de la lave ici, c'était blague. Ça fait quoi si on va dedans? Putain, la zone elle a été... Il y a une putain de déflagration en fait. Regardez, il va se faire pas moi le mob, hein. il est tellement chaud. C'est des malades hein, dangereux. Regardez, ils viennent du port au calme. What? What the fuck? Ah ouais frère, tu viens du ciel mec maintenant, c'est bon. Et il a bugué, non? On est d'accord, il a bugué les gars là. Il est bloqué. What? Ouais, leur point faible c'est dans le leur dard. Putain le gars, le bug. Oh mec, j'ai plus de vie. Recule, c'est bien. Putain les gars, franchement je m'amuse, mais c'est hardcore hein, quand même, c'est chaud, faut pas cacher, faut pas... Je le cache pas. Argent d'avant-guerre. Ouh, j'ai cru que j'allais te perdre MDR, putain, j'ai cru que tu me ferais vraiment la... Gros, t'as vraiment cru que j'allais faire ça, t'as ouf toi. Comme un pote en irréel, qui fait la gueule pour une place à la cantine. Mais c'est bien gros, moi la base hein... Gros, tu me connais pas, moi je fais la gueule pour plus que la cantine hein. Tu te mets pas à côté de moi en classe, je pleure. Je pars de la classe, moi, je suis un malade. J'ai la prof, madame, il a pas voulu se mettre à côté de moi. Non, je rigole. C'est pas vrai. Je suis pas comme ça. Juste un peu, mais je suis pas comme ça. Putain, les gars, cette zone, elle est trop stylée. Et le pire, c'est qu'on a rien fait, hein. Il y a encore tout ça là-bas. On peut aller vraiment bas, c'est vraiment jusqu'ici. C'est gigantesque, en fait. On va aller plus loin. MDR. Toi-même tu sais frérot. Sinon Théo, est-ce que tu... Oui, Théo aussi. Est-ce que tu kiffes? Et Nathan, surtout toi Nathan frérot, parce que c'est pour toi le stream, c'est en ton honneur. Oh oui, il y a mon poteau là-bas. Il y a mon poteau. On va aller le descendre. Mais les gars, en fait, j'ai vraiment envie de lui mettre une ogive de super loin, mais c'est chaud. Genre, si je tire là, je vais le rater. Oh putain, c'est laid! Putain, c'était trop magnifique, ça! Comment le mob, il est pas... Il a fait... Gros, c'était quoi le petit bruit, là, à côté de moi? Ça fait vraiment... Ouh, oh! Combat! Attendez. Il n'y a pas un petit pourcentage de 8%. On retente. Vous avez aucune chance de toucher le mob d'ici. Oui. Major! Mais les gars, on est d'accord que je t'avais touché là. Magnifique! Gros, les gars, regardez. Deux scorpions versus l'écorcheur versus le rat scorpion. Mais les gars, j'avais vraiment envie de mettre une ogive, mais le problème c'est que... Ouais, je sais pas me rapprocher pour ça. Ah ouais, c'est super. Ah oui, c'est nickel. Ah, un petit 13%. Peut-être qu'on aura de la chance ici. Oui. Oh, c'était magnifique! Oh putain! Moi, désolé d'avoir gueulé dans le micro. Oh putain, c'était mortel! Oh putain! Une tuerie, les gars! J'ai fait une triple fiddle atomique. Oh là là! C'était magnifique. Ah, y'a rien à dire, hein. Perso, là. Si vous dites le contraire, je comprends plus, hein. Et j'ai combien de munitions du Fatman? Je parie que j'en ai plus. Oh les gars, j'ai plus qu'une mini bombe nuque. Perso, j'ai peut-être pas sauvegardé. Hein. J'ai niqué ton casque. J'avoue, j'ai parlé un petit peu trop fort, désolé. Je m'en excuse pour tout le monde.
Mais les gars, c'était tellement emballé, je voulais vraiment mettre une putain d'ogive sur les trois. Bah j'ai réussi, mais bon voilà quoi. Bon, plus on va loin dans la zone, plus c'est hardcore, hein, ça je vous le dis déjà. Oh les gars, on a passé la limite quasi. Bon perso, si on retire la combi, on meurt. Je vous conseille vraiment d'aller en armure assistée ou... Allez, si c'est trop bien visé le type, hein, mais vraiment, c'est trop un PGM. Trop énorme. Mec, je suis trop content, merci. Ouais, il faut que je la mette en réparation, mais bon, je vais finir le stream comme ça, c'est pas grave, j'ai pas retourné à Sanctuary pour ça. Ben frère, franchement, Nathan, je suis vraiment content que ça se fasse plaisir parce que c'était mon but en fait, tu vois, c'est vraiment, je suis super content que c'est ce que je voulais. Maintenant, j'espère que t'es vraiment sincère et que... ah, encore un écorcheur, les gars! Allez! Par contre, je pense que j'ai peut-être pas utilisé ma dernière ogive maintenant. Il est où le con là-bas? J'ai envie de jouer un petit peu au bazooka. Ah non! J'ai une idée! C'est juste, j'avais mes grenades. Les gars, je vous préviens, c'est des putains de grenades, ça. N'utilisez jamais ça. Hein. Lisez la notice avant de les utiliser. Mais pourquoi Nathan? J'ai pas compris là. Et alors, il est où le 10? Non! Vous êtes prêts? Ah bah en fait c'est pas les grenades là, c'est pas les grenades que je pensais, mais il y a des grenades, c'est une tuerie les gars. Vous êtes sûr c'est des grenades rondes que j'ai pris? Mine nucléaire. Oh ouais c'est ça les gars, regardez ce que j'ai sur moi. Les gars j'ai vraiment envie. Ouais. Oh non, comment je suis mort. Bon, c'est pas fini les gars, c'est pas grave. On est mort, hein. On a fait la tapette, c'est pas grave. Putain, terrible. T'as vu ça, la mine, gros, c'est pété. Attendez, j'ai vraiment envie d'utiliser sur des mobs, mais le problème, c'est que je veux voir la déflagration que ça fait. J'aurais des mines nucléaires dans le jeu, quoi. Voilà, mettre là. On va peut-être jouer un peu avec le cryolator, je vous l'ai promis. Je l'ai pas pris pour rien, frérot. Eh ben, comme par hasard, j'ai pas de munitions, donc on sera pas joué. Voilà. À l'aise! Elle est invincible, la mine. Pas de soucis, gros. Hein. Cachette fédérale. Franchement, j'espère que ça vous plaît. Hein. Bah, au moins, t'as toutes tes mines. Bah, ouais, ça, c'est vrai, ça. Bah, au moins, t'as toutes tes mini nuques. Je suis d'accord. Mais les gars, moi, le truc que je veux faire absolument avec vous, c'est aller chercher bon gars. Hein. Donc, le tuto que je vous ai fait avec le Fat Man. Et l'utiliser, ça doit être tellement trop stylé. Mais un truc de malade. Bon, on va retrouver des mobs. De toute façon, il s'est rempli, hein, les gars, ici, le mob. On l'a refait.
bitches. Fallait bien couver tes œufs. Et de quoi lui? Couche-toi, retourne d'où tu viens. Et je pense que vous allez voir ici, donc regardez. Ah ben non, rien à voir. Je pensais que j'allais looter. Ah ouais, du coup la canne je l'ai pu. Dommage. Surprise, motherfucker. Ouais, c'est ça en fait. Oh, l'aise. Il est où Hancock? Hancock, il me faut mes nuques. Enfin, mon bazooka. Hey. Pas de problème. Regardez ce que j'ai. Il est où? Ah, il est là. Il est là, mon amour. Ouais. Nice. Oh, allez, c'est une blague. Comment ça fait que j'ai plus qu'un missile? Et ils sont où, mes autres missiles, putain? Putain, je suis dégoûté, quoi. Je pensais que j'avais beaucoup plus de missiles que ça. Une mini-nuque pour tuer un rat normal, quoi. Ouais, c'est bien. C'est bien, hein, les bails. En gros, on fout le bordel, tu vois, un petit peu. Je sais pas si t'as un peu compris le principe. Moi, je tire un petit peu avec le Fat Man partout. Parce que c'est pour... si tu ne sais pas, en fait... Van Dyck, c'est son anniversaire, donc il s'appelle Nathan. Du coup, je lui fais ce stream en son honneur. J'espère qu'il appréciera. Maintenant, il n'y en a peut-être pas, il y a peut-être pas tout le monde qui appréciera, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Mais j'essaye aussi de trouver des groupes d'ennemis, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est chaud. Bon, allez. J'ai bien envie de le tuer au snipe. Ok, très bien. What? What the fuck? À l'aise. C'est des malades. Le type au snipe à bout portant, calme. No scope. No scope qui passe. Ouais mais non, ça non, ça je ne veux pas, hein. Non, c'est pas celle que c'est pas ça que je veux prendre, hein, putain. Il fait mal. Il va me tuer et ça continue. Manche. Bon, on va faire quoi? Faudrait trouver des écorcheurs, hein, ce serait bien. Ou alors un groupe d'ennemis, c'est vrai que tu n'as pas tort, hein, bon... Tuer un ennemi avec une bombe nucléaire, comment dire, tout seul, c'est vrai que c'est un petit peu... allez, c'est pas mal, mais il y a mieux à faire en fait. Comme tantôt... Oh, mais les gars, nice! Il est corps là-bas, l'écorcheur, on va essayer d'aller choper au Fat Man. Putain, j'espère qu'ils sont encore là, les scorpions, j'ai vraiment envie de lui mettre un sale truc. Je vais me mettre là, il y a moyen. Oh, c'est chaud. Et le type, les gars, il croit trop que c'est le roi du monde. Ça y est, il est posé sur son truc. Regardez. Bon. Change ou pas change? Tu level quoi? Je suis level 30. Je suis vraiment très loin du jeu. Bah, très loin de la fin. Allez, faut lui mettre. Oh, les gars, c'était magnifique. Oh là, c'était beau. Et il est même pas mort. Oh les gars, on avait que 8% de le toucher, quoi. C'était beau. Salut.
Elle était beau celui-là. Alors, ça te convient, ça, Inotron, hein? C'est mieux que la mère porteuse, on est d'accord. Bon. Mais le problème, c'est qu'il est tout seul, hein. C'est nul. Hein. Il devrait être... En plus, j'adore parce que vous me dites GG, mais c'est pas moi, en fait. C'est le SVAV qui a bien voulu aller dessus. On peut dire ça comme ça. En gros, c'est de la chance, quoi. C'est... Oh, un rat scorpion luminescent légendaire, là-bas. On retente ? 8%, hein. 8% les gars, vous avez bien vu le 8. Mais ça m'étonnerait que je le touche d'ici quand même, parce qu'il est loin. Quoique. Oh ! Genre ? Là, je sais pas si je le toucherai. Ah, il va prendre la bombe nuque, boah, il lui met dans le chargeur. Dis-moi, j'y mets s'il y a une étincelle, t'as tout qui explose. Vas-y, mets-lui dans son dard. Ouais, non. Ah, si. Ah, non. J'ai tué quelque chose, mais je sais pas quoi. Vous savez quoi les gars? J'ai vraiment envie de faire un putain de truc. Allez viens! J'ai vraiment envie qu'il passe sur la mine en fait. Oh oui, il est là! Allez, viens! J'ai envie de voir l'explosion de la mine. Voir ça fait quoi comme déflagration, si c'est autant puissant qu'une monogive ou pas. Allez, hein! Moi, quel teubé, quoi. S'il te plaît. Hey, je crois bien que j'ai un truc. Vas-y, viens. Viens. Ouais, c'est barré qui est lâche. Allez, reviens ici, hein. Non, Juice. C'est pas du jeu, c'est de la triche. Vous êtes disqualifié pour avoir triché, monsieur le scorpion. Et il va où, gros? Il veut faire quoi? Il m'emmène dans un piège. C'est ça, en fait. Oh oui! Bonjour, les scorpions. Au revoir, les scorpions. T'aurais jamais dû aller chercher ton pote. En plus, j'en ai encore un. Hey, crois bien que j'ai un truc. Le voilà. Ne jamais attaquer un ennemi dans le dos. Ou une personne dans le dos, tout simplement. Qu'est-ce qui m'a looté le légendaire? De la merde encore. Anti-mutant, renforcement, brassard. Oh non, quand même pas en fait. 16, 10, pas mal. Réduit de 15% les dégâts infligés par les super mutants. Halt! Perfecto! Waouh, des ghouls. Allez, un petit massacre aux ghouls!
Mais pourquoi pas? Bouh! Salut les potes. 69 comme par hasard. 69 comme par hasard. Mais oui. C'est vraiment bien fait quand même, l'ogive de la nucléaire et tout. C'est vraiment ça. C'est... Moi je kiffe tous ces trucs là. C'est... Oh, il y en a encore une en fait. Allez, viens te battre. Allez, viens, 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 viens. T'as à faire quoi? Il veut quoi? Ah, il y a une légendaire en fait. Ok, très bien. Raté! Hé là-bas! Gérard! Tiens! 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 M'a saoulé, lui. Épée de la guerre d'indépendance! Bah, les gars, on va se battre à l'épée, les chiches! Bonne soirée, frérot! Théo, excuse-moi, j'avais pas vu ton message. J'étais tellement concentré dans le... dans le game. Fusée. De toute façon, je pense que les gars, on va bientôt arrêter. J'espère franchement que ça t'aura plu, frérot. N'hésitez pas encore une fois à follow si ça vous intéresse. Faut savoir qu'il y aura des délires comme ça régulièrement quand même. J'avance toujours dans l'histoire, mais il y aura des épisodes de temps en temps un petit peu spéciaux comme celui-ci. J'espère que ça vous plaira. Bon, je suis pas non plus au sommet de ma forme. J'ai déjà fait des délires plus cool. Là-bas, je vois qu'il y a un écorcheur. On va essayer d'en terminer sur un bon petit gameplay. Je pense que je finirai quand même par une mort à la fin pour récupérer toutes mes bombes nuques, hein, parce que j'ai pas envie de les perdre pour, bah, pour ça. Mais c'est pour vous que je fais cet épisode là. C'est super cool. Ah, c'est cool. Alors, je suis vraiment content parce que voilà, pour moi. C'était ça que je devais faire, je voulais faire le taf, je voulais vraiment te montrer que je pouvais faire. Quoi. Maintenant, j'espère que je ne suis pas un pro, hein, tu l'as bien vu. J'essaie de produire un truc que d'aime bien, en tout cas, le plus que je peux. Maintenant, j'espère qu'il n'y en a pas... Oh, les gars, il est en PNS! Il est en PNS! Il boite! Oh, mais c'est terrible ce jeu, terrible, 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 terrible. Terrible, 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 terrible. Allez, viens. Un petit combat à Manu, ça te dit? Enfin, au corps à corps. Et quoi, il veut pas? Il fait quoi, en gros? What? Allez, fais les gars! Oh, comment on lâche pas l'épée! Ah, un écorcheur légendaire! Nice! C'est entre toi et moi! Boum! Dans son. Dans ses pecs! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi, Mbo? Oh oh, je vais faire rien du tout. Ouh, lui il rigole pas. Lui il rigole pas, frère. Ah ben, je pense que je vais mourir maintenant. Non! Raté. Raté. Oui! Oui! Non! Putain, les gars! Oh! Il massacre! Oh! Oh, l'esquive! Oh, le combat, les gars! Oh, punaise, il a explosé et tout! Oh, oh, oh! Joli! Clé de serrure tube, ok, infirmité! En fait, on trouve les meilleures armes ici. Augmente de 50% les dégâts infligés aux membres. On me dit que c'est sur tube. Ouais, c'est toutes des armes au corps à corps. Hein. Ça me gave un petit peu par contre. Bon, en gros, jusqu'à la fin, je reprends pas ma vie, les gars. Putain, il m'a défoncé. C'est trop vraiment. C'est trop réaliste, les gars. Il enlève vraiment les parties d'armure et tout ça. Oh, énorme.
Énorme. Énormissime. Arad scorpion luminescent. Quelque chose approche. Oh, à l'aise. Sans pression, gros. Pas de soucis. Et voilà, c'était la fin. Ah là là. C'était magnifique les gars, franchement je me suis bien amusé. On refera ça souvent. Faut savoir que par après cette zone-ci, on farmera beaucoup hein. Là vraiment je sauvegarderai par la suite, mais il faut que j'avance encore un petit peu plus dans l'histoire et on ira avec la fameuse armure légendaire et son jetpack. Mais le temps qu'on arrive là les gars, il va nous falloir du boulot. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Starkiller 1889 les potes. Merci à tout le monde d'avoir regardé le stream. Encore un grand merci et un très très bon anniversaire de ma part à Vandic, donc à Nathan. Merci à toi. Merci à Omega de m'avoir suivi tout au long du stream. Merci à Inotron de m'avoir posé des questions et parler avec moi. C'était super cool. Merci également à toutes les autres personnes sur le stream. C'était super cool. N'hésitez pas à vous abonner et à me follow, ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Bon maintenant je peux comprendre, hein, y en a peut-être qui n'aiment pas. J'espère que, en tout cas moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne YouTube dans le lien de la description sur Twitch et à me follow. C'était Star. Merci les potes. Bonne soirée à tous et on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode. Ciao ciao.